Et bonjour à tous, c'est Boufan pour une nouvelle partie de Super Luigi Galaxy. Aujourd'hui, on va aller sur la plage Saladier. Hop. On va finir cette petite plage. Et donc du coup, aujourd'hui, beaucoup de choses en perspective. Donc c'est bien ce que je me disais, je me demandais si c'était dans cette dernière étoile qu'il y avait le secret, et je me suis dit, mais oui, ça doit être dans celle-là, mais je me souvenais plus. Et bah finalement, j'avais raison. Par contre, c'est où J'avoue que je me souviens plus. Salut. Qu'est-ce que tu fais de beau, en fait? Ouais, t'as fait un bruit bizarre. La paroi rocheuse au fond de la mer menace de s'effondrer d'un instant à l'autre. Mais c'est pas grave, moi je danse parce que c'est trop bien. Allez, avec Luigi, on peut le faire. Alors. Oh, il y a un tuyau ici. C'est peut-être celui-là que je dois prendre, en fait. Oh, j'ai pas réussi. Oh, c'est trop nul. Alors, ça me mène où? Oh. Je ne comprends pas trop cette salle. Je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on veut me faire faire. Mais Luigi, il a pas envie. Ah bah j'ai des problèmes de perspective. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette salle? Ou est-ce que je fais juste ça pour m'amuser? Oh, j'ai détruit un bloc, je voulais pas. Alors. Ah, d'accord, c'est pour ça. C'est un peu décevant. Alors, où est-ce que c'est l'entrée? Alors, si c'est pas ici. Ah oui, je me souviens. C'est ça qu'il faut faire. C'est parti. Ah, vous avez rien vu? Oui, entre-temps, je suis allé chercher les champignons des toads. Oui, bon, ils ont le droit à des rations de survie, oui, mais... quand même, j'ai aussi envie d'un petit champignon, et Luigi, j'aide pas les carapaces. J'aime bien parce que cette partie, elle sert à rien pour l'instant. Ça fait 3 minutes que je tourne en rond dans ce monde. On fait la voiture. Alors. Ah, oui, c'est vrai, c'est ici. Non, Luigi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Luigi? Oh, je comprends rien! Allez, Luigi! Voilà! Oh, la caméra, elle est bizarre! Voilà, c'est ici que je devais aller! Regardez cette magnifique étoile! Qui nous mène vers notre pays imaginaire! Regardez, c'est trop beau! Il y a des cataquacs! Oh, presque! Je suis sûr que je peux l'avoir. Oui, haha! Même pas besoin des cataquacs. Voilà, laissons les cataquacs tranquilles, ils sont gentils. Regardez, c'est Luigi de glace! Je sais que j'adore cette chanson. Je trouve ça super cool. Luigi, arrête de danser. Voilà, c'est très bien. Bravo. Regardez, cette eau, elle va me tuer si je fais pas attention. Cataquac. Mangez. Non, il est mort. Oh, c'est trop triste. Viens, Cataquac. Mais viens. Ouais, bah c'est trop tard. Mais qu'est-ce qu'il fout quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, en même temps, qu'est-ce que je cherche, là? Viens, Cataquac. Eh, viens me manger. Monsieur. Mais il se moque de moi! Il va mourir! Allez, viens. Voilà. Ah bah voilà, Ah bah les Cataquacs, ils sont vraiment fâchés aujourd'hui.
J'allais dire ils sont méchants, mais ils sont pas méchants en fait. C'est juste des canards. D'ailleurs, je suis désolé, mais elle a mis un papier. Elle a mis un papier peint. À la fenêtre, elle a mis un papier peint, on est d'accord. Parce que genre, dire, ça ressemble pas à ça dehors. Oh, une comète. Je m'attendais pas à la comète tout de suite. Mais bon, va pour, hein. C'est parti, la comète rapide. Bienvenue dans l'horreur. Mais je crois que c'est bien pire sur la version... Ouais, c'est bien pire sur la version... comment ça se dit Super Mario Galaxy 2. Parce qu'en fait, le temps, il est tout de suite à toute vitesse. Bon, du coup, je vais pas prendre de risque. Non, ça, je n'appelle pas ça un risque. Non, elle va... ça va pas jusqu'à là. Par contre, il peut m'écraser. Je vais m'arrêter ici. Ou bien... ou bien, même pas besoin de s'arrêter. S'arrêter, c'est pour les faibles. Non! Me pousse pas! Luigi, il fait pas des trucs bizarres. Alors là, par contre, je vous préviens, partez quand il part. Parce que sinon, il est trop rapide. Ou alors ça c'est sur la version... Est-ce que c'est... Non mais je confonds toujours la version Super Mario Galaxy 2 et la version Super Mario Galaxy. Parce que je crois que sur la version Super Mario Galaxy 2, c'est bien pire cet endroit. Regardez, il va me manger. Miam, miam. Miam, Luigi. Non mais laisse-moi tranquille. Voilà. En fait, quand on... c'est fou, mais Super Mario Galaxy 2, qu'est-ce qui rend cette étoile nulle? Dans Super Mario Galaxy 2, c'est tellement plus difficile que... Bah, c'est une promenade de santé, en fait, celle-là. C'est trop triste, Super Mario Galaxy 2, il a tué Super Mario Galaxy. Alors... D'ailleurs, je vais bientôt faire un avis du jeu sur Kirby. Parce que je suis en train de le faire, en fait. Et je m'amuse bien. Genre, dire, je prends plein de photos, tout ça. J'adore prendre des photos. Ne serait-ce que si on regarde sur la... sur mon Twitter, genre, dire... ben, j'ai mis plein de... j'ai mis plein de nouvelles photos de Kirby. En bannière et en icône. J'adore ce jeu. La galaxie des boues. Ah, il fait toujours la fête. Mais je suis sûr qu'on peut regarder dedans. Là, c'est juste qu'il me mente. Vous me mentez. Ok, d'accord, je regarderai pas dedans. Je suis sans nouvelles de la brigade. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Bah, je sais pas, ils sont allés s'amuser. Sors un peu de chez toi. Oh. C'est le cristal brillant. Crystal Universe. Aïe. Bon bah je suis désolé mais Bou, je t'abandonne. D'ailleurs quand je parle de cristal, voilà. Ça pourrait faire un débat. Steven Universe ou l'ère des cristaux. Faudrait que j'en fasse un avis du manga. Parce que j'aime beaucoup l'ère des cristaux. En fait, je vais dire une petite histoire. L'ère des cristaux, c'est un manga, tout ça, qui a un animé en plus. Bah en fait, c'est un manga qu'au début, je le détestais. Enfin, je le détestais. Plutôt, je trouvais ça joli, mais l'histoire, j'avais rien compris. Du coup, j'ai jamais acheté la suite. Et récemment, je m'y suis remis. Et finalement, en fait, bah c'est plutôt sympa, en fait. Regardez comment je triche. Ouais, en fait, c'est plutôt sympa, en fait. Parce que le truc, c'est que bah, la première fois, j'étais pas du tout dans l'histoire, en fait. Parce que la deuxième fois que je l'ai lu, c'était vraiment super. D'ailleurs, c'est une série que je suis souvent en ce moment. Voilà, et qui fait partie, je pense, presque de mes favoris.
Regardez, je vois l'étoile. La destinée. Non! Je veux pas mourir à cause de l'étoile de la destinée. Je veux ça. Pas. Bravo, vous c'est le mini-jeu porte-clé de Mario Party. En plus, ce mini-jeu, il est complètement nul. Je sais pas pourquoi je l'aimais beaucoup. La première fois que j'ai joué à Mario Party, je l'ai beaucoup aimé, mais... Mais qu'est-ce que je l'aime pas, ce mini-jeu, en fait? Parce que c'est tellement injuste. En plus, l'IA, elle est toujours méchante. Ah, nous retournons donc dans la galaxie fantôme. Et je pense que ça sera la dernière étoile, d'ailleurs. Voilà, du coup... Reprenons, nous étions en train de faire course-boue et pas une étoile dans les ténèbres. Du coup, regardez, voilà le retour, les crânes, les squelettes et le boue avec un casque. Il est méchant. Il est pas gentil, en plus il se moque de moi. C'est mon pire ennemi. C'est le rival de Shonen. Voilà, c'est le Sasuke de Naruto. C'est le Zoro de Sanji. Mais arrêtez les chauves-souris, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'agressez sans raison. C'est parti. Ah bah c'était rapide en fait. Je m'attendais à une plus grosse partie du niveau. Oh, il y a des morceaux de viande qui flottent. C'est terrible. Qu'est-ce que t'as de beau à me dire? Fais attention au jambon! Ces fantômes est imbattable! Y'a personne d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette planète? Non, y'a des éclats d'étoiles par contre. Ça, je dis pas non. Parce qu'il m'en faudra, je pense. M'en faudra beaucoup même. Toi aussi, tu as l'étoile! Alors fais la course avec moi! Quand tu veux! Je mets mes lunettes! Alors c'est parti! Regardez-moi ce boue, il est trop gros! Il est en concurrence avec le roi boue en fait. En fait, il le dit pas, mais en fait, il veut être roi à la place du roi. Oh non, je pensais que ça allait marcher! Je suis obligé de passer parmi les rondins. Il est en train de me rattraper. Je le vois. Laisse-moi tranquille, le boue! Je peux pas battre un autre bout. Mais il est super rapide. Il triche. Regardez, c'est le champ de mine. Je sais pas comment j'ai fait. Non! 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 Regardez-le! Il s'en va tranquillement! Il va avoir le poids! Mais non, Luigi! Mais non, il a gagné! Oh, le gros tricheur! En plus, il a battu son propre record! Luigi, t'es trop nul! Pouce rouge! Franchement, Luigi, t'es trop nul! Pouce rouge! J'espère que tu vas mourir! Hé, une 19, retourne t'entraîner. Et voilà Luigi, c'est bien fait pour toi. Ah, heureusement que j'ai pris des vies. Ah non, mais il est terrible ce bout. T'es cheaté. Mais en même temps, Luigi, il a foncé dans des mines. Toi aussi, tu veux l'étoile, alors fais la course. T'inquiète pas. Je peux refaire ça toute la journée si je veux. Quand même, je dois dire, pour le speedrun, ça doit être quand même super pénible. Parce que genre dire autant un circuit de Mario Kart, ça va, c'est facile à faire, mais... Genre dire ça... Je pense qu'il faut de la volonté. Allez, je veux celui-là. Ça va, pour l'instant, je le rattrape pas. Si, je le rattrape, justement. Allez. Allez, pour l'instant, je suis largement en tête. Mais non, mais je le vois, je l'ai vu. Mais oui, mais il est juste derrière. Oh, le gros troll.
Mais il cheatait en fait. Non, Luigi, arrête de mourir, s'il te plaît. Luigi n'a pas très envie de gagner la course. Allez. C'est bon. Fou. Bravo, bravo. Ah bah c'est déjà mieux que la dernière fois. Ah, 1 minute 33 et 23 secondes. Mais une promesse est une promesse, te la donne. Bravo, champion. La prochaine fois, ce sera pas aussi facile. Allez, prends-la. Arf, prends-la, elle disparaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je savais que tu y arriverais. Bravo, t'as été le plus rapide. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci, monsieur Lebou. À la prochaine pour la prochaine partie. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous.